York Finest Taxi Service, c'était pas les tacos jaunes. C'était un racket à haut rendement interne à la police de New York. Les flics trimbalaient des contrebandiers trafiquant de drogue dans toute la ville. À quelques centaines de dollars le kilomètre, vous aviez votre taco bleu et blanc avec escorte de flics. Ils avaient même des cartes de visite. Au bout d'un moment, quelqu'un a commencé à poser des questions et le service de taxi a fermé. Depuis ce jour-là, les mecs de l'IGS attendent de les prendre en flag. Et c'est là qu'on a allumé notre bombe. Le vol, ça a été ? Putain, génial. Avec ça, il y a assez pour Staten Island ? Vous rigolez, moi, avec ça, je vous conduis à Cape Cod. C'est McManus qui avait amené le coup. Fenster était chargé des camionnettes, Hockney de la quincaillerie. Et moi, je leur ai dit comment faire pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais Keaton, lui... Lui, il mettait la cerise sur le gâteau. Une façon de leur dire « on vous emmerde » aux flics de New York. Le con, fais gaffe, et fais gaffe. Oh, oh, doucement, doucement. Attention ! Avance, connard ! Je tire. Bougez pas, t'as dans le culet ! Lâche ça ! Lâche ça pour la merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Lâche ça, fais pas le con ! Bouge pas, toi, si je t'entends bien, je te dis de pas bouger, tu touches à rien ! Restez où vous êtes, bande de connards ! Ah ! Bouge pas, trou du cul ! Adieu ! Ah ! Tu veux un shampoing à la chevrotine, Joufflé ? Bouge pas ! Cailloux. Bouge pas! Allez, merde, donne-les! Allez, donne-lui les cailloux, t'entends, donne-lui! Mais donne-lui ces putains de cailloux! Mais allez, mon dieu! Tu y es? Maintenant, le fric! Non, il n'y a pas d'argent! Donne la boîte tout de suite! Non, je ne pas! Envoie le fric ou je t'explose la gueule! File-lui le putain de fric! Mais donne-le-lui, Hobby! Envoie! Allez, allez, allez! Mais donne-le-lui, bordel! Mène ton cul! Sale fils de pute! Vous savez pas à qui vous avez affaire! Est-ce que vous savez qui je suis, moi? Branleur! Maintenant, on le sait, raclure. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh putain ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh non ! Bordel ! Oh ! Oh non, 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 non ! Keaton a donné un coup de fil anonyme. Les journalistes étaient sur les lieux avant les flics. Trois jours plus tard, Strauss et Rizzi étaient inculpés. En quelques semaines, une cinquantaine d'autres flics sont tombés avec eux. Ils s'en sont tous pris plein le cul, du chef au dernier lampiste. Un vrai régal. Je te dois 250. Professeur Keaton. Il y en a plus que je croyais. Il vient quand, le Forg ? Redfoot vient de jamais me voir, c'est moi qui me déplace jusqu'à lui. En Californie ? Oui, Verbeau, en Californie. Avec Fenster, on va... Attends, reste en ligne un peu. Toi et Fenster ? Non. Tu te fous de ma gueule ? Mais j'ai l'impression. Faut qu'on y va tous. On y va tous. Il y a un truc qui te démange, ma biche. Moi, je vais te dire ce qui me démange, ma biche. C'est que toi et Fenster, vous vous barriez en amoureux en Californie pendant que nous, ici, on se la tape sur le lavabo. Hé, hey, on a terminé le travail. On se calme. Los Angeles, c'est parfait pour se mettre un peu au vert. Tu veux danser ? Mademoiselle. Je voudrais porter un toast. Vas-y, dis-nous. À Monsieur Verbeau, l'homme qui a imaginé le plan.